Bonjour à tous, c'est Tom. Alors voici dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter les trois micros de ma chaîne, les trois micros que j'ai eu au cours de ma chaîne. Au tout début 2012, donc à la création de ma chaîne, j'utilisais mon ordi portable en guise de micro. Oui, c'est pas terrible. Vous voyez cet ordi portable, hein, je l'ai depuis 2010 même, mais je l'utilise depuis début 2012, depuis le début de ma chaîne. Juste avec un petit trou en guise de micro, c'est vraiment pas terrible. J'ai eu après, jusqu'à cette année, le Logitech, celui-là, voyez. Donc là il est un petit peu cassé, voilà, vous voyez, puis la mousse, voilà, et le bout là c'est pas terrible parce qu'il n'y a même pas de filtre anti-pop et tout, c'est pas terrible. Et du coup bah aujourd'hui j'ai changé depuis peu, hein, avec un Neuer NW800 que vous voyez ici, et franchement la qualité change, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo de comparaison entre les différents micros que j'ai eu. Donc il y aura pour cela, sur les trois micros, deux versions d'enregistrement que vous entendrez, la version brute, hein, voilà, et une version où je réduis le bruit de fond. Donc faut savoir que les prix du NW800, si vous ne savez pas, il est autour de 30 €. Le petit Logitech coûte à peu près 20 €. Et l'ordi, bah tout dépend de l'ordi, il va aller dans les 400 €. Donc bon, voilà, c'est que l'ordi, hein, le micro, genre il coûte même pas 3 €, hein, vu la qualité que c'est. Comme la webcam, hein, c'est pareil, hein, la qualité elle est pas terrible. Donc là, à l'heure actuelle, vous entendez avec le micro de mon téléphone et la caméra de mon téléphone. Donc là, vous allez entendre le micro de mon ordi portable. Alors, faut savoir que le volume de détection, bah, je l'ai mis à 100%, hein, c'est vrai logique. Et que du coup, pour tous les micros, j'ai mis plus 10 dB en entrée. Comme ça, il y a tout qui est égal. Donc là, on va entendre le micro de mon ordi portable en étant à cette distance. C'est-à-dire, je suis à peu près une bonne quarantaine de centimètres de mon ordi portable. On va entendre à partir de 3, 2, 1. Donc là, vous entendez le micro de mon ordi portable. Et vous voyez que là, je fais en sorte de parler bien devant l'ordi portable. Comme ça, on entend bien le son. Mais vous allez tendre l'oreille pour entendre, parce que c'est franchement difficile. En 30 secondes, essayer d'entendre ce que je dis, franchement, c'est super galère. Donc là, on va bientôt passer au mode où vous avez le bruit qui est enlevé. Là, vous entendez le micro de mon ordi portable, et vous voyez que là, j'ai fait en sorte de parler bien devant l'ordi portable. Comme ça, on entend bien le son. Mais vous allez tendre l'oreille pour entendre, parce que c'est franchement difficile. Surtout qu'en 30 secondes, essayer d'entendre ce que je dis, franchement, c'est super galère. Donc là, on va bientôt passer au mode où vous avez le bruit qui est enlevé. Je viens d'entendre le son de l'ordi portable, c'est horrible. Vous avez pu le remarquer comment c'était horrible au tout début de ma chaîne. C'était pas du tout potable et tout. C'est horrible de se replonger dans cette qualité qui était vraiment très très cheap. Très très cheap. Donc là, désormais, nous allons passer au micro Logitech. Je vais vous le mettre en description. Donc voilà, et aussi dans la vidéo. Hein. Donc le voilà. Hein. Donc là, vous avez... voilà, un jack pour les écouteurs et un jack pour le micro. Voilà. Donc, voilà ce que ça va donner. Alors, là je le mets déjà. C'est déjà ça. Test de ce micro Logitech dans 3, 2, 1. Donc là je parle avec le Logitech et vous voyez que le son est de meilleure qualité. Le son est plus fort pour la même équivalence, hein, 100% et plus 10 dB. Mais vous voyez qu'il y a les problèmes avec les pop et c'est un petit peu désagréable quand je souffle. Vous voyez que c'est un peu désagréable, franchement. Donc maintenant passons
à la qualité optimum avec la réduction de bruit. Donc là, je parle avec le Logitech et vous voyez que le son est de meilleure qualité. Le son est plus fort pour la même équivalence, hein, 100% et plus 10 dB. Mais vous voyez qu'il y a les problèmes avec les pop et c'est un petit peu désagréable quand je souffle. Vous voyez que c'est un peu désagréable, franchement. Donc maintenant, passons à la qualité optimum avec la réduction de bruit. Donc là, vous voyez que le son de Logitech est de meilleure qualité déjà. Et maintenant, nous allons parler avec le Neuer. Ce fameux Neuer. J'adore mettre de petits accents. Donc là, je vais le brancher, hein, bien sûr, parce que l'il n'est pas branché. Test de qualité avec le Neuer. En 3, 2, 1. Je teste avec le Neuer et vous voyez que la qualité est plus posée. Le son est un peu plus feutré, voire même beaucoup plus feutré. Et là, je vois en plus sur Audacity que le son est... On voit que dès que je parle pas, c'est genre, il n'y a pas de bruit, quoi. C'est genre, le bruit est minime, mais nous allons voir tout de même avec la réduction de bruit. Je teste avec le Neuer et vous voyez que la qualité est plus posée, le son est un peu plus feutré, voire même beaucoup plus feutré. Et là, je vois en plus sur Audacity que le son est... On voit que dès que je parle pas, c'est genre, il n'y a pas de bruit, quoi. C'est genre, le bruit est minime, mais nous allons voir tout de même avec la réduction de bruit. Donc, voilà, donc je vais enlever le Neuer. Vous voyez que le Neuer est nettement plus haut par rapport à tous les micros. Hein. Ça paraît logique, en même temps, je vais pas genre changer de micro pour avoir plus de merde. Donc là, j'espère que cette vidéo comparative vous a plu et surtout vous a permis de noter l'évolution de la qualité sonore de mes vidéos. Surtout, voilà, qui sont beaucoup plus propres. Il n'y a pas que la qualité vidéo qui compte, c'est aussi le son, c'est très important le son. J'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. Alors pour la prochaine vidéo, je vais vous proposer un petit sondage sur le petit i qui se trouve au-dessus de moi. Pour la prochaine vidéo, alors je peux vous proposer soit du vlog, du TDU ou un Zap Gaming numéro 2. Donc faites votre choix parmi le sondage qui se trouve ici. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour la vidéo que vous aurez choisie. Allez, salut! Là, vous entendez le micro de mon ordi portable et vous voyez que là, je fais en sorte de parler bien devant l'ordi portable. Comme ça, on entend bien le son. Donc là, je parle avec le Logitech et vous voyez que le son est de meilleure qualité. Le son est plus fort pour la même équivalence. Hein. Je teste avec le Neuer et vous voyez que la qualité est plus posée. Le son est un peu plus feutré, voire même beaucoup. Là, vous entendez le micro de mon ordi portable et vous voyez que là, j'ai fait en sorte de parler bien devant l'ordi portable. Comme ça, on entend bien le son. Donc là, je parle avec le Logitech et vous voyez que le son est de meilleure qualité. Le son est plus fort pour la même équivalence. Hein. Je teste avec le Neuer et vous voyez que la qualité est plus posée. Le son est un peu plus feutré, voire même beaucoup. Mmh.